Au micro de Service Plus, réussir le Périgord. Ça a commencé avec la télévision. En allaitant mon fils, je regardais une émission à la télé et j'ai vu Michel Odoul qui s'occupe de l'Institut français du Shiatsu. J'ai mis en place des formations en Shiatsu et en aromathérapie. Donc je me suis dirigée d'abord vers le Shiatsu. Je me suis formée chez lui et ensuite j'ai suivi une formation en aroma. Parce que ma fille a 30 ans maintenant et son frère a 27. Et donc, c'est avec eux que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient sur les uns et pas sur les autres. Et bon, ils étaient tout petits, donc souvent on entend oui, mais c'est psychosomatique. Voilà. Et les enfants, des fois, je leur faisais des trucs qu'ils ne savaient même pas. Et ça marchait ou ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte comme ça que des choses qui marchaient sur moi, qui marchaient sur sa sœur, sur lui, ça marchait pas. Et puis si je mettais, j'avais fait une fois un traitement, parce que j'avais lu quelque part qu'un bain de sauge, ça détendait, qu'on prenait un bain et puis on sortait de là-dedans, on avait une forme du tonnerre, donc une fois j'avais fait. Et au bout d'une dizaine de jours, je me rends compte que ma verrue avait réduit considérablement. J'ai rien fait de spécial, sauf ce bain, un seul. Donc, alors, elle n'était pas disparue, hein, mais elle avait vraiment diminué de moitié. Et donc, je dis, s'il n'y a que ça. Et donc, un jour, ma fille me dit, ah, regarde, maman, j'ai une verrue sous pied. J'ai dit, écoute, moi, j'ai essayé ça, ça a marché. On va essayer aussi, ça n'engage à rien. Je lui fais donc faire un bain de pied, puis son frère arrive, il la voit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a. Et donc je lui explique, il me dit, oh, mais moi aussi j'ai des verrues, je suis allée à la piscine, je suis revenue avec des verrues, j'ai dit, tiens, je te fais une deuxième pierre. Et lui, ça n'a jamais marché. Et puis, il était adolescent à l'époque, et par contre, il avait des problèmes d'odeur de pied qui étaient assez insupportables. Et donc, en fouillant, je m'aperçois que le thym, justement, en bain de pied, réglait les problèmes de pied qui puent. Donc, j'ai dit, écoute, tu sais pas, le bain de pied de sauge n'a pas marché. Enfin, le premier n'a pas marché, on va en faire un deuxième quand même pour voir. Et puis, je vais te mettre du thym avec, on ne sait jamais. Et les deux ensemble, j'ai résolu le problème d'odeur et la verrue a disparu. Donc lui a fallu les deux. La sauge toute seule ne marchait pas. Réussir le Périgord, vivez l'expérience du journal connecté.